Bonjour tout le monde, c'est Mimi Coupaille. Aujourd'hui, on va défoncer la gueule de Ganon. Mais juste avant, qu'est-ce que vous croyez? On se prépare. Parce que là, on va être sur un combat d'une violence intense. J'aurais peut-être dû prendre Cloud du coup. Ah, je regrette. Aïe! Ah, c'est vrai, faut toucher la queue. Laisse-moi là, connard. Oh putain. Et ben voilà. Ouais. Et ben putain, 1 minute 20, c'était rapide. Oh Ganon. C'était un peu trop beau. Bon bah du coup, ça n'a pas tenu longtemps, malheureusement. Oh. Oui. Que se passe-t-il? Je. Ah mais du coup, bah oui, on vient de niquer... Et non, ça y est, la contrée des ténèbres est clean. Eh ben tant mieux. Mais du coup, ça veut dire qu'on a tout fait ou alors c'est juste parce qu'on a battu le boss? J'avoue que j'en ai aucune idée en vrai. Bref, en tout cas, comme je l'ai promis à la dernière vidéo, nous allons jouer avec Ganondorf. Ah putain, ça se remplit, hein. Ganondorf. Bon, les arbres de talent, qu'est-ce qu'on gagne? Oh putain. Ah ouais. Ah oh. Ouais, peut-être pas. Ouais. Ouais, c'est quand même beau. Oh. Ouais, on va faire ça quand même. Allez, hop. On dépense un max d'un coup. Bon, bah du coup, maintenant que c'est fini ici... Allez, à jamais, bled de merde. Voilà, ramène-moi au début. Et maintenant, nous allons nous attaquer à cet endroit que j'espère sera... Ah bah, je pense qu'à cet endroit-là, on va avoir Bayonetta. Hein. Je l'espère, en tout cas. Après, il y a Pit Maléfique qu'on n'a pas encore débloqué, je crois. Il y a... Je sais plus. En fait, il y a tellement de personnages que je sais même pas il y a qui. Déjà, Bayonetta, je sais qu'on ne l'a pas eu. Pit Maléfique, j'ai un doute. Mais il y a tellement de personnages que je sais même pas qui on a eu et qui on n'a pas eu. Enfin, non, du coup, ce qu'on a eu, je m'en branle, je le sais, mais... Enfin, à moitié. Mais, Ah, il y a Daisy à voir. Il y a Daisy. Pas un truc avec des énigmes de merde, s'il vous plaît. Oh, tu m'as manqué, hein, Créam. Hein. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, mon gars. Ah non, c'est des maniaques cette fois. Zut. J'y étais presque pourtant. Mais bon, c'est vrai que des maniaques, c'est la main droite. Sale branleur. Ah bah vous voyez, ça c'est le rire d'un branleur. Et moi je n'ai pas de rire bizarre comme ça. Du coup, vous êtes sûr que j'en suis pas. Hein. Du moins pas à 100%. Aïe. Ah. C'était très rapide. Trop bien. Oui, super. Eh mais attends du coup, maintenant que j'y pense, Ganondorf. Bon, d'accord. Ah, il a pété un câble. Oh, malin le jeu. Ah, Samus Sombre aussi, on ne l'a pas eu. Dark Samus, on ne l'a pas eu, c'est vrai.
Il y a Dark Samus, Ridley, Bayonetta que j'ai en tête à l'heure actuelle. Et Daisy. C'est les 4 que j'ai en tête. Oh putain, quelle violence. Ah bah là, tu m'étonnes, mon frère. Gravity Man, la gravité. Oh, oh, c'est rigolo, on fait des blagues sur... Eh, c'est marrant, en plus, il y a Gravity Rush qui est... Oh, encore des blagues avec la gravité, c'est rigolo. On se tape des barres, ici. Bah, allez. Je regrette un peu de le mettre, mais bon. Gusanto, comme ça, tu gagnes du level. Et Kamikupa aussi, comme ça, tu gagnes du level, ma vieille. C'est rigolo de dire vieille. Bon, du coup, maintenant que j'y pense... Ici, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça avance bien, hein. Enfin, pas de fou, mais bon. C'est dommage qu'on n'a pas un deuxième truc comme ça, parce que ça aurait été tellement bien. Bah ouais, on aurait pu en mettre plus des personnages. Ça aurait été mieux. Ok, alors ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est très bien, mais c'est très cher. C'est intéressant, hein, mais 10 000, ça fait mal au cul, quand même. Ah, ça, c'est intéressant. Magasin d'Anna. Le reste, on s'en fout. Hein. C'est sympa, mais on les gagne en 2 secondes en faisant des trucs, donc on s'en tape. Magasin de Funky Kong. Je vois pas en quoi un putain de vaisseau, c'est un esprit de soutien, mais vas-y. Pareil pour une putain de moto d'Animal Crossing. Ça, par contre, c'est utile. Allez, dégage, Funky. Et Terry Bogard. Oh, il évolue. Intéressant. Ah là là, je vais tellement le regretter. J'ai très mal aux fesses. Ok, là je regarde. Ah, on est pauvre. Putain, il y a intérêt à ce qu'on en gagne plein. Non, on est passé par là. Du coup, en allant là. Ouais, c'est pas très choquant. Hein. Oh, Craco. Crackhead. Non, pas encore. Mais par contre, il y a Dadidou. Et ça, c'est rigolo parce qu'on va le tuer. En plus, regardez-le, il est en noir et blanc, ce connard. Il sait même pas il est de quelle couleur. Ah bah, il a pas tenu longtemps, hein. Ah bah en même temps Ganondorf, bah vous avez vu les combats final qu'on a contre lui, hein, c'est toujours stylé, donc étonnamment, pas étonnant que ce soit un mec dur à combattre. Enfin non. Ah je me suis perdu dans mes mots, laissez tomber. Allez White Gundam, on va te défoncer ta sœur. Et avec Dieu des Kings. Commencer le combat avec 300% de dégâts, tous les combattants sont parfois invincibles. Ah bah là on est mort, hein. Je sais pas par quel miracle nous avons réussi, mais nous l'avons fait. Et franchement, je vais pas cracher dessus. Ah, pas cette fois, non. Ouais. Eh. Merde. Mais tu te fous de ma gueule. D'accord. Oh putain, on lui défonce son bouclier. Il est quand même beaucoup plus puissant que Cloud. Cloud, déjà que c'était très haut level, mais là, Ganondorf, il baisse tout.
Franchement, tant qu'on n'a pas de nouveaux personnages à débloquer, je suis content, hein, sincèrement. Oh, un coffre. Ça, c'est gentil. Ah voilà. Putain, je me disais comment on faisait pour passer là. Loki. Tiens, attendez, quoi? J'ai cru voir Docteur Krior. Ouais. Attends, il est où ce connard? Bon, tant pis, on s'en fout. Allez, Midona, on va t'améliorer encore un petit peu. Allez hop, c'est parti. Ah bah là c'est bien. Ah là on est très bien. Ah bah oui, allez. Ouf. Bon bah on a Loki. Yes, that's great. Que se passe-t-il maintenant? Oh, un coffre. Ah, ça c'est gentil. Bah du coup, je pense que ouais, c'est maintenant qu'on va avoir Bayonetta. Hein. Le Meta Knights. Attention, c'est pas Meta Knights, c'est les Meta Knights. C'est très différent. Meta Knight, il a pas de S. Eux, ils en ont un. Regardez la différence. Ah ouais, on dirait pas. Hein. Ils se ressemblent pas du tout. Bah, quand même. Oh, attendez, quoi? Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Putain, même pas un dégât, bande de merde. Je vous défonce vos sœurs. Et vos mamans, et vos papas, et vos grands-pères. Et toutes vos familles. Personnage de merde. Oh, enfin. Allez, on va le tuer lui aussi. Pokémon électrique de merde. Pikachu, il est mieux. D'ailleurs, on va te faire foutre, Pichu. Je t'ai jamais aimé, de toute façon. Oh, putain. Voilà. T'allais pas t'en fuir quand même. Oh, j'aime bien être violent. Ah ouais, putain, une légende. Bah alors là, si tu crois vraiment qu'on va... Si tu crois vraiment qu'on va jouer avec des niveaux 1, mais... Mes fesses, hein... Voilà, un peu de level. Allez, on va tuer Ridley de métal avec Omega Ridley. Oh, un combat de méchants. Et merde. Ah. Ah bah purée, pour un mec qui vole, il s'est un peu merdé. Hein. Aïe. T'allais faire ça à qui? À qui tu allais faire ton Final Smash, connard? Attends, quoi? Il y a combien? Oh. Puissant le Ridley.
parfait. Ah, un personnage à débloquer, mais on s'en fout. Ah, ça, on s'en fout pas, par contre. Attends, dans le but. 90 piles en plus. Est-ce qu'il y en a un 90 piles? S'il vous plaît, dites-moi que c'est le cas. Oh ouais, on est à zéro, c'est jouissif, on a... Ah. Ah oui, là c'est... Oh putain de merde, ça va être chaud. Hein. Bref, qui est-il? Eh bah Lucina. Eh bah putain, depuis le temps que je t'attendais, toi. Depuis le temps que j'attendais Lucina, waouh, je commence à croire qu'on n'allait plus jamais la voir. Enfin, qu'on n'allait jamais la voir, tout court, mais... Et bah ça a pas duré longtemps. Hein. Lucina fait son entrée, voici son ami beau, même si on voit que dalle. Oh cool. Ouais bah. Coucou. Bref, c'est elle. Je sais, on dirait pas, mais vas-y, prenez le risque de me croire. C'est elle. Ah ouais, c'est bien elle. J'avais un doute moi aussi, mais c'est vraiment elle. Ah oh, mais ça m'emmerde, j'ai envie de continuer à jouer Ganondorf, mais en même temps j'ai envie de montrer tous les personnages de jeux vidéo gaming de... Oh mais ça va être une merde. Bon, tant pis. Après ça se peut que Lucina est beaucoup plus puissante que Ganon. Tu sais, ce n'est pas le cas. Bon, attends, Lucina tu es où? Ah voilà. Ah mais c'est un perso écho? C'est le perso écho de Mars, sérieux? Ah j'aurais pas cru honnêtement. Mais non mais merde, je ne voulais pas faire ça. Ah, con de jeu. Non, non, eh, oh, le Joy-Con, tu m'écoutes. Enculé de fils de pute. Ah. Et voilà. Parfait. Allez, on va défoncer la gueule de Quickman. On va peut-être continuer à jouer Ganondorf, je pense. Oh, j'adore cette OST. Et merde. Quelle classe. Ah, qu'est-ce que je l'aime, Lucina. Elle est trop belle. Moi, je tiens l'inverse. Vous allez voir votre gueule. Bref. Ah, Grey Fox. Oh putain. J'aurais peut-être dû prendre Snake du coup. Bon, tant pis. Et merde. Oh non, c'est vrai qu'il est sur cheaté ce ninja de merde. Ah. Bon bah non, en fait, il est pas si cheaté que ça, il pue du tout. Ah merde, il évolue. Bah en même temps, il peut pas évoluer. Hein. Quoique. Non, je crois pas. Bah ouais, on a tout découvert ici, du coup c'est parti.
Pour être dans le château de Dracula, bah allez. Hein. Tu te fous de ma gueule, hein. Je crois que ce jeu a vraiment envie que je lui tape, que je le tape dessus. Ça va peut-être arriver à un moment donné. Et pourquoi il y a des Mewtwo? Ah oui, par rapport à ça, je crois. Voilà. Problème réglé. Qu'est-ce qu'il va me faire, lui, hein? Connard. Tu vas rien faire. Attends. Richter, on l'a déjà ou pas? J'ai envie de voir dans le doute. Non, on l'a pas. Du coup, ouais, on va débloquer Richter ici. Et vu que c'est le thème des vampires, et ça m'étonnerait pas qu'on va avoir le délire de Luna Bayonetta. Et qu'est-ce que c'est que ce putain de bordel? Un personnage. Oh, un deuxième. Alors, les environs ont retrouvé leur état d'origine. Ah, c'est bien. Vous avez trouvé un boulet de canon argenté, vous pourriez le tirer avec mon rendorme. Tu es qui? Oh. Allez, hein. Voilà. C'est réglé. Oh, je vois. D'accord. D'accord. Voilà. Voilà, là au moins on a de la puissance. C'est bien. Allez, dégage. Non mais pour qui il se prend lui? Oh. Allez. Tête de Médusa avec Matanite. Très rapide. Tant mieux. Oh le Wispy. Il gagne du niveau. C'est mignon. Oh le petit Wispy Wood qui est que niveau 1. Oh il pue du cul. Oh ouais, Bowser squelette. Oh putain.
Tiens, dans toi. Et merde, il est que niveau 92. Oh, c'est relou. Bon, bah allez, pourquoi pas. Merde, j'ai pas vu la puissance d'attaque. Oh, tant pis, on s'en fout. En tous les cas, on va voir Bowser Squelette. Et ça, c'est important. Yeah. Bah voilà, problème réglé. Ah, le Bowser. Ah, c'est sympa tout ce qu'il a donné. Attends une minute, ça veut dire qu'on peut évoluer notre truc là. Allez, dégage. Parfait. Bon, du coup, on va s'occuper de ça. Déjà toi, attends, on va l'évoluer lui. Enfin, si on peut, hein, évidemment. On peut. Alors quoi tu vas évoluer? D'accord, tu vas. Donc une flamme va évoluer en meuf, c'est très logique. Pandora Amazon. J'ai vraiment pas la rêve de quel jeu elle vient, hein. C'est affreux. On en a tellement, mon dieu, on a tellement de trucs à évoluer, sa maman. Bon, attends, c'est qui le plus proche, là, de l'évolution? Oh, c'est Tiki, bah allez. Ah oh, bah ça tombe bien, elle a évolué. Quelle bonne nouvelle. Bon, alors, tu ressembles à quoi, Tiki, en évolution? Bah, en version adulte. Waouh, Tiki, oracle du dragon divin. Ouais, mais les RPG japonais, ça a toujours été un bordel, hein. Je critique pas, j'aime bien, donc... Allez, on s'occupe de ça. Avec l'équipe Ganon... Oh, merde, on va mourir. C'est l'équipe de Ganondorf. Oh, sa maman. Bah ouais, là, on va pas tenir. Bon, bah, tant mieux, hein. Oh bah finalement on a tenu. Bon, qu'est-ce que c'est que ces conneries là-haut? Oh. Attends, et en plus c'est même pas fini après ça, hein. Il y a... Ah oui, quand même. Putain, donc on a 4 personnages à débloquer là-dedans. Ouais, 4 persos. Eh bah purée. Bref, et ben nous découvrirons qui est la personne ici à débloquer la prochaine fois. Du coup, voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Sur ce, c'était Limikoupa. Et puis moi, je vous dis au revoir tout le monde.